am Africa. Ladies and gentlemen, please welcome back John Quelch. Mesdames et messieurs, bienvenue à John Quelch. Ladies and gentlemen, thank you. Bien, mesdames et messieurs, nous avons maintenant la prochaine séquence qui s'ouvre sur les fonds souverains, qui peut paraître être un sujet un petit peu impressionnant ou intimidant à beaucoup d'entre nous, d'entre vous même ici présents, qui ne sommes pas toujours sûrs de leur exacte définition. Donc on va commencer d'ailleurs ce matin par essayer de bien cerner la nature de ce sujet, ce qu'ils représentent, ce qu'ils incarnent comme risque, comme opportunité. Et donc, pour ce faire, je vous présente parmi les membres du panel toute une série d'experts éminents, avec tout d'abord notre ami le ministre Jean-Jacques Bouillat, ministre donc de la planification territoriale qui nous vient tout droit de la République du Congo. Je crois que vous venez de commencer un fonds souverain, si je ne m'abuse. Pouvez-vous nous dire pourquoi il est en train de se créer? Oui. Je veux dire que, effectivement, pour penser à ce genre de mécanisme financier, nous sommes les plus. On peut dire que les plus, ceux qui veulent davantage, parce que c'est nous qui faisons la dépense. Alors, dans notre pays, nous avons pensé qu'il fallait réfléchir sur un ensemble de mécanismes, parce que l'Afrique, on peut le dire, est à la croisée des chemins. L'Afrique doit créer les conditions de son devenir, de son avenir. Donc, regarder comment rassembler l'ensemble des moyens et du dispositif financier est important. Le pays qui est le nôtre est producteur de certaines ressources naturelles, telles le pétrole, et nous avons voulu que l'excédent, ce qui est peut-être épargné, soit mis une forme de fonds, puisque au lieu de stériliser cette ressource, soit à la banque centrale ou quelque part, soit pour les générations futures ou pour une économie en vue d'appuyer évidemment l'exécution du budget, il était important de créer un fonds pour permettre à créer les conditions de booster l'économie. Booster l'économie, pour nous, dans un pays comme le nôtre, sinon l'ensemble du continent, le vrai frein du développement de l'économie de notre continent, c'est le manque des infrastructures. Et que si ensemble, notre pays, les autres, l'ensemble du continent, à travers la mise en place de ces concepts qu'on peut dire dans un premier temps un peu nouveaux pour l'Afrique, mutualisent l'ensemble des efforts, nous pouvons lever suffisamment de fonds, d'argent, pour essayer de booster l'économie par la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures de dimensions régionales, continentales, pour mettre en place une véritable économie intégrée et assurer un commerce et les échanges vis-à-vis à l'intérieur de notre continent. Donc voilà ce qui nous a inspirés, ce fonds est créé, il va être opérationnel très bientôt. Et je suis d'ailleurs heureux d'être dans le panel puisque c'est un des patrons des fonds et qui les rendent déjà fonctionnels, et nous profiterons l'occasion pour échanger davantage et voir comment l'Afrique peut se mettre ensemble et booster cette valeur financière qui est en réalité continentale, et peut-être que ça nous amènera à le rechercher ailleurs et attendre souvent. Merci. Excellent, thank you. Now, Amadou Hot with us from Senegal is the... Amadou Hot, ici et chez nous, le conseiller spécial du président du Sénégal. Je pense que le Sénégal a un fonds d'à peu près $1 milliard. Si vous deviez donner des conseils au ministre au début de ce voyage qu'il commence au Congo, quel serait le type de conseil que vous lui donneriez compte tenu de votre expérience, John? Belle opportunité d'être ici ce matin. Pour corriger un peu, le Sénégal n'a pas encore le $1 billion parce que, en fait, la loi prévoit $1 milliard. Ça a été voté en décembre 2012. Mais pour l'instant, nous démarrons avec du cash du budget de l'État. Mais les $1 milliard, la majorité, c'est des actifs de l'État. Parce que l'État a des participations dans des sociétés, dont une qui est cotée en bourse. Et puis d'autres, c'est des sociétés minières. L'État a également des terrains. L'État
est l'actionnaire, par exemple, de la Société nationale d'électricité, l'État, comme je l'ai dit, a des terrains qui ont de la valeur. Donc on s'est dit, comme on n'a pas de revenus pétroliers, par exemple, comme beaucoup de pays, il faudra essayer de mettre ces actifs dans un véhicule qu'on appelle le fonds d'investissement, qui est une société holding d'investissement détenue à 100% par l'État du Sénégal, qui va essayer de revaloriser les actifs, de nantir les actifs, de lever de l'argent nouveau pour réinvestir dans de nouveaux projets ou des projets existants. Si je peux me permettre humblement, le conseil que je donnerai, c'est vraiment d'essayer d'attirer le plus possible de gens qui ont de l'expérience dans les banques, dans les fonds d'investissement, pour leur permettre de gérer ce fonds. Pourquoi pas aussi de faire voter une loi, parce que le fonds souverain doit être quand même quelque chose qui va rester dans le très long terme. Donc pour rendre ça plus puissant également, rendre ça très crédible, on pourrait faire voter une loi comme on a fait au Sénégal, qui a été votée par l'ensemble des députés pratiquement. Et dans cette loi, même la gouvernance, le mode de recrutement, le partage des profits du fonds, parce qu'une partie des profits va être réinvestie, une partie donnée à l'État en dividende, mais l'autre partie pour les générations futures. Donc tout ça, c'est dans une loi relativement détaillée pour plus de stabilité. Et le directeur général aussi est nommé pour 5 ans, renouvelable une fois, pour éviter que quand il y a un changement de gouvernement, que le directeur général soit viré, même s'il est un directeur général performant. Merci. Excellent. Okay, let's go to the other end of the spectrum. We have here also. Donc maintenant allons à une autre personne ici du Maroc. Au Maroc, le Maroc a été depuis maintenant plus de 15 ans dans ce domaine des fonds souverains. Comment est-ce que le Maroc fait, et pouvez-vous nous donner un peu d'expertise? Et aujourd'hui, à pratiquement 55 ans, c'est déjà été créé en 1959, non pas comme un fonds souverain, mais comme une société d'État qui gère l'épargne privée, principalement l'épargne postale et l'épargne de retraite. Et au bout de 55 ans, et effectivement surtout sur les 15 dernières années, il y a une fonction qui a été un peu prise par la Caisse de dépôt et de gestion qui peut être assimilée à un fonds souverain. C'est, pour rebondir un peu sur ce que disait M. Haute tout à l'heure, c'est d'abord un outil d'investissement qui est très proche de l'État, mais qui est avec une culture du secteur privé. Ça permet effectivement d'avoir une flexibilité dans le processus de décision, d'avoir effectivement une gouvernance qui est solide, en même temps une gouvernance qui permet de prendre des décisions relativement assez rapidement. C'est également un outil qui investit sur le long terme. Et c'est important pour notre continent, c'est très important pour notre continent africain. Je pense que le long terme est très important dans le sens où on construit pour les générations futures, on construit pour une croissance qui est durable. Et c'est souvent, quand on est dans une approche long terme, c'est souvent on est appelé à investir à contre-cycle. C'est-à-dire au moment de la crise, au moment où on pense que c'est le moment de sortir de l'investissement, que les fonds souverains, que en tout cas la CDG, c'est un peu dans notre esprit, c'est là où on rentre en contre-cycle économique. Et je pense qu'un des bons exemples qu'on aime bien donner, c'est l'usine Renault au Maroc, qui aujourd'hui est le premier exportateur automobile. C'est le premier exportateur au Maroc. C'était en 2008, au moment de la grande crise financière, où le partenaire Renault, avec les marchés financiers qui étaient fermés, rappelez-vous, c'était la grande crise financière, pour lever les financements dans un délai très court, parce qu'il y avait un calendrier qui était très serré, la CDG, effectivement, vu que c'est un projet au Maroc, un projet qui est certainement rentable à long terme,
a initié une mise de 100 millions d'euros pour créer l'usine. Ça a créé une bonne dynamique de confiance dans le secteur bancaire marocain et parmi tous les financiers, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un projet qui emploie 5000 personnes en direct et encore quelques dizaines en indirect, quelques dizaines de milliers en indirect, et qui est première source d'exportation. Ce n'est pas le seul exemple, il y en a d'autres, mais c'est juste pour illustrer le plus important, c'est d'investir avec une vision très long terme, créatrice de valeur. On ne peut pas se tromper quand on investit long terme en Afrique. Il y a de la croissance, on peut passer par des cycles, mais si on prend des périodes de 10-15 ans, on est certain de pouvoir réaliser les rentabilités recherchées par tout investisseur financier. So, would it be fair to say that some... Donc, est-ce qu'on pourrait dire que un certain nombre des investissements qui sont faits par les fonds financiers ne sont pas forcément les mêmes investissements que ceux que les investisseurs du privé feraient, justement parce que les investisseurs du privé tiennent compte de ces cycles. Et donc, ces fonds souverains ont-ils un côté politique de la même façon qu'ils ont un côté économique ? Votre question est très, très pertinente. C'est d'abord un investisseur financier qui cherche une rentabilité. Je pense que c'est un critère qui est important qu'il faudrait garder en esprit parce que ça ne serait pas un outil viable à long terme. Donc, c'est important. Je pense que c'est partagé un peu partout les gestionnaires de fonds. C'est d'abord une rentabilité. Maintenant, la différence avec le secteur privé, c'est l'horizon de placement. On ne se positionne pas dans un horizon de 5 ans, de 7 ans, on se positionne dans des horizons beaucoup plus élevés. Le projet Tangemed est un exemple, je donnerai un autre exemple. C'est un projet qui est né dans les tiroirs, dans les bureaux de la Caisse des dépôts et de gestion, sur papier. Ce n'est que 12 ans plus tard que ce projet a été capable de lever des financements sur le marché financier avec une rentabilité. Et donc, c'est un projet qui a commencé sur un terrain nu, comme je disais, de papier, mais avec une persévérance qui a fait qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est rentable, mais c'est pratiquement sur une période, je dirais, de bout en bout, d'une quinzaine d'années, ce que peut-être un fonds typique de financement, peut-être c'est une période qui est relativement longue. Okay. Politiquement, si on considère que politique économique est de la politique, oui, parce qu'il faut s'inscrire dans une stratégie nationale d'investissement. On ne peut pas être complètement à côté d'une stratégie élaborée par le gouvernement. Donc, il faut accompagner des stratégies, une vision du gouvernement, une vision donc forcément politique, mais à la base économique, en tout cas sur sa dimension économique qu'on la lie. Et donc, à partir de là, on peut peut-être dire cela, mais l'interventionnisme politique n'est pas une bonne chose. Ça ne serait pas une très bonne chose pour des fonds qui veulent créer de la valeur purement économique. Excellent, thank you. We've got two more views. Nous avons deux autres avis à avoir de la part des gens présents ici. Tout d'abord, de la Guinée équatoriale, Estanislao Down Malavo, qui est conseiller spécial auprès de la présidence sur les questions financières, les organismes financiers et la CEMAC. Je vous en prie, monsieur. Je vais. Mesdames et messieurs, la création d'un fonds souverain en Guinée équatoriale répond à une stratégie du gouvernement. Vous savez, après la découverte du pétrole, la Guinée équatoriale avait adopté un plan national de développement qui est de deux étapes. La première étape consistait à la création et le développement des infrastructures. Ces derniers 10 ans, l'État a été en train d'investir 85% du budget de l'État pour le développement des infrastructures. Ça fait à peu près 1500 milliards à 2000 milliards par an juste pour les infrastructures. Au jour d'aujourd'hui, je suis fier de dire que 10 ans après, les infrastructures sont déjà arrivées à 80% de leur exécution.
Il y a des routes partout, il y a les ports, il y a les aéroports. L'électrification sera bientôt une chose du passé. Les problèmes qu'on avait avant vont terminer. Et nous sommes préoccupés parce qu'une fois que les travaux publics vont arriver à terme, les grands projets, les 1300 projets que l'État avait adoptés, qu'est-ce que nous allons devenir? Et surtout quand notre économie dépend, les revenus de l'État proviennent de 90% du pétrole, ça préoccupe. Donc, la deuxième étape de ce plan de diversification, de développement, c'est la diversification économique qui doit commencer déjà en 2013-2014 jusqu'à 2020. Donc, pour encourager et pour promouvoir la diversification économique dans les cinq secteurs clés que l'État a identifiés, qui sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, la pétrochimie et les services financiers, nous voulons attirer les investisseurs. Mais on connaît aussi le gap de perception qui existe. Souvent, les investisseurs doutent de venir investir chez nous, en Afrique, parce qu'ils pensent que nous ne sommes pas des pays, ils sont des pays à risque. Donc, l'État a créé un fonds souverain, un fonds d'investissement que nous appelons fonds de co-investissement de 500 milliards par an, qui, depuis cette année jusqu'à 2020, ce fonds sera géré par un holding guinéen-équatorial qui va gérer les intérêts de l'État dans les entreprises, dans les projets qui vont être créés, et l'État pourra participer dans ces projets avec ces fonds. Aux taux qui seront déterminés avec les entreprises, 10%, 20%, 50%. Nous croyons que ça va faire deux choses. La première, ça va réduire les risques que les entreprises et les investisseurs doivent assumer quand ils viennent investir chez nous. En deuxième lieu, ça va permettre que l'État puisse diversifier cette source de revenus. On va commencer dans un premier temps en investissant ces fonds dans des projets à l'intérieur du pays. Et après quelques années, quand on aurait acquis l'expérience nécessaire et formé les cadres qui vont gérer ces holdings, alors nous allons commencer à chercher à investir dans la sous-région et dans les autres pays. Okay, thanks very much. And then finally we have. Merci beaucoup. Enfin, nous avons Serge Mikoto, qui est le directeur général du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Pouvez-vous nous donner votre perspective sur ces fonds souverains du Gabon? Les fonds souverains sont de création récente en Afrique. En réalité, pour les pays subsahariens, les fonds des générations futures étaient déjà considérés comme des fonds souverains. Et la majorité de ces fonds de génération future ont entre 14, 15 et 16 ans pour les plus anciens. C'est leur mode de gestion. C'est leur mode de gestion qui a un peu changé. Jusque-là, c'était principalement des fonds inactifs, logés souvent dans la Banque centrale. Mais leur mode de gestion a changé maintenant depuis 2 ou 3 ans en fonction. Pour ce qui concerne le cas du Gabon, ce mode de gestion a été mis en place par le cadre de la loi autour de l'année 2012, et le mode de gestion prévoit effectivement des investissements au Gabon et des investissements à l'extérieur du Gabon, prévoit un abonnement des ressources et revenus de l'État avec un seul objectif, lisser l'épargne intergénérationnelle et en contrepartie, soutenir les projets de développement, dont les projets d'infrastructure et de transformation, dans la mesure où nous sommes dans ce panel pour en parler. Maintenant, pourquoi les fonds souverains? C'est un instrument extrêmement particulier qui, selon mon sens, est le seul instrument qui correspond aux investissements de très long terme, parce que justement ils considèrent le très long terme, parce qu'ils ne sont pas dans une recherche immédiate de rentabilité, parce qu'ils investissent assez souvent sur des actifs peu liquides qui finalement sont des actifs à 15, 20 ou 25 ans. C'est pour cela que nous avons choisi la forme de gestion active des fonds souverains. Et encore, la majorité de ces fonds souverains constituent souvent, pour les partenaires étrangers, pour les autres fonds souverains étrangers, un partenaire idéal, dans la mesure où c'est la première étape, montrer que vous-même vous croyez en votre pays, pour qu'ensemble nous faisons des investissements. Okay. And let's just go back to Thomas for a moment.
revenons à Thomas pour un moment. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quels sont les trois écueils à éviter dans la mise en œuvre de ces fonds souverains? À quoi il faut faire attention lorsque l'on parle de la mise en œuvre et du management de ces fonds? Sorry, Amadou, can you go ahead? Okay. Sorry. Yeah. Amadou, pardon. I think one of the... Oui, vous savez, je... L'une des choses essentielles, je pense, c'est vraiment la qualité du management de gestion. Ça, c'est très important, parce que comme on manipule de l'argent public, il est important de pouvoir diversifier le risque, de pouvoir le contenir, de bien sélectionner ses projets, d'avoir aussi un comité d'investissement qui est composé peut-être pas seulement des gens du management, mais des experts indépendants qui pourront un peu apporter leur expertise dans le mode de sélection des projets. Pour moi, ça, c'est un élément important. L'autre élément important, c'est d'essayer également de minimiser, l'impact du politique dans la gestion des fonds souverains. C'est important. Même si ce sont les politiques qui créent les fonds souverains, il faut peut-être, à travers une loi, essayer de minimiser en fait l'intervention du politique pour que quand même le fonds n'investisse essentiellement que dans des projets rentables, comme l'a dit Anas. Parce que sinon, dans le long terme, ce ne sera pas viable, ce sera de l'argent qui a été mal géré. Pour le cas du Sénégal, par exemple, on n'est pas un pays riche, comme on l'a dit, donc chaque dollar, chaque franc qu'on investit doit être catalyseur d'autres investissements. Par exemple, on peut mobiliser peut-être 10 milliards de francs CFA dans un projet qui va peut-être générer in fine 90 milliards d'investissements supplémentaires en fonds propres et en dette pour pouvoir exécuter le projet rentable. Parce que sinon, on ne pourra pas attirer d'autres investisseurs en equity et des investisseurs en dette. Ce 10 milliards peut rapporter à l'État non seulement la rentabilité, le TRI du projet, mais également de la TVA sur le projet, de l'impôt sur les sociétés que le projet va générer, l'impôt sur les revenus des salariés que le projet va générer, mais également les dizaines ou les centaines ou les milliers d'emplois que le projet va générer. C'est un peu... Pour le Sénégal, la raison pour laquelle on a aussi fait le fonds souverain, c'est pour booster l'économie, maximiser l'effet de levier. Et dans le cas du Sénégal, le fonds souverain joue trois rôles essentiellement. Le fonds 6, il est des fois développeur de projet, c'est-à-dire qu'on développe un projet de zéro jusqu'à financial close, mais jusqu'à l'exécution, comme le projet Renault au Maroc. Mais également, on est restructurateur d'entreprises en difficulté, spécialement d'entreprises de l'État. Les entreprises d'État, en général, bon, quand on leur applique une gestion privée, on peut avoir de meilleurs résultats, mais aussi le rôle de co-investisseur, comme en fait le fonds équato-guinéen, ou investisseur quelconque, national ou étranger, vient au Sénégal, on peut prendre 10, 15, 20, 30% de son projet et lever la dette ensemble et faire le projet ensemble. Un dernier point, le fonds sénégalais essaie aussi de faciliter la création de champions nationaux. Notre économie est étroite, notre PIB est faible. Pour qu'il y ait plus de croissance, il faut exporter et des services et des produits. Pour cela, il faut des champions nationaux qui puissent aller en compétition un peu partout et exporter leur savoir-faire et booster le PIB du pays. Merci. Excellent. Thank you. Very helpful. So, let's, if we may... Très bien, merci. Formidable. Alors maintenant, si l'on pouvait peut-être juste prendre les questions qui pourraient émaner de la salle. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté au débat l'année dernière, vous savez que j'ai une définition toute particulière de la question, à savoir une seule et unique phrase se terminant par un point d'interrogation. Alors voilà, ne vous aventurez pas dans l'arène si vous n'êtes pas capable de formuler vos commentaires en correspondant à ce critère-là. Donc voilà, peut-être on va commencer par faire circuler le microphone vers le jeune homme qui a demandé la parole près de chez Richard, en tâchant de rester aussi concis que possible.
Voilà, mon nom est Samir Ben Mahlouf, je suis country manager de Microsoft au Maroc. Et ma question s'adresse, donc en ce qui concerne les fonds souverains, que faites-vous, que peut-on faire pour créer un écosystème qui soutienne autant que possible les petites entreprises dans chaque pays? Ajouter quelque chose à ce qu'a dit Amadou. Il y a aussi, à mon avis, quelque chose de très important dans la création d'un fonds. C'est le cadre réglementaire. Et dans le cadre du Gabon, le législatif et l'exécutif déterminent la politique d'investissement en phase avec le projet gouvernemental, de telle sorte que les gestionnaires du fonds ne soient pas simplement des personnes éloignées des réalités économiques du pays et qu'ils décident des investissements sous le simple aspect profit. Dans le cadre de la question que nous a posée notre ami, pour l'exemple que je connais, nous, Fonds Gabonais, sommes en train de créer, en partenariat avec la Caisse de dépôt et consignation, un instrument spécifique que l'on appelle le Fonds Okoumé. Cet instrument spécifique est destiné au financement des petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, dans le cadre du Gabon, c'est des investissements des euros à 1 milliard de francs CFA. Au-delà de 1 milliard de francs CFA, c'est le FGIS. Jusqu'à 1 milliard de francs CFA, Small and Business, 1 milliard de francs CFA, avec un accompagnement important dans la mesure où parfois certaines idées arrivent dans ce genre d'instrument en greenfield, l'idée de départ. Il faut pouvoir faire germer cette idée, accompagner l'entrepreneur principal, l'accompagner dans ses démarches administratives, l'accompagner dans sa compréhension du système fiscal, du système financier, prendre une part d'actionnariat avec lui et décider de sortir après 5 ans, c'est la spécificité du Fonds Okoumé. C'est notre manière à nous de répondre à la problématique plus générale de celle que vous posez, c'est-à-dire la problématique de l'entrepreneuriat, small and business au Gabon. Please. Merci. Je voulais un peu répondre à la question de John tout à l'heure sur les. Je vois plus des risques qu'il faudrait prendre en considération. Je les vois en deux dimensions, une dimension complétude des stratégies. Quand les fonds souverains investissent, ils investissent dans le cadre d'une stratégie, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il faudrait que ce soit une stratégie complète qui prend en considération tous les aspects d'une stratégie réussie. Exemple, quand on investit dans l'infrastructure, ce n'est jamais suffisant. On peut demander aux fonds souverains d'investir dans des zones industrielles. Mais s'il n'y a pas une vraie stratégie gouvernementale par rapport à telle ou telle industrie, en termes de formation, en termes de recherche et développement, en termes de connectivité de ces zones industrielles, connectivité territoriale, c'est des aspects qui ne peuvent pas être pris par le fonds souverain, mais qui sont du rôle de l'État, du rôle du gouvernement. Donc la complétude des stratégies, sinon, ça peut être des investissements qui n'aboutissent pas. C'est ce que disait d'ailleurs le président Ali Bongo hier, en disant que quand on investit, il faudrait que ça soit vraiment dans le sens de la raison d'être de l'investissement. La deuxième chose, c'est la stabilité de l'environnement. Il ne faudrait pas qu'une stratégie soit rompue en cours de route. C'est des investissements qui sont sur le long terme, 10 ans, 12 ans, 15 ans, même plus. Et donc, il ne faudrait pas que ces stratégies soient rompues en cours de route. C'est des risques majeurs qui peuvent être parfois des incidents de parcours de fonds souverains. Et quand on est jeune, quand on est un fonds souverain qui vient de démarrer, une erreur peut avoir effectivement des conséquences importantes financières sur le fonds et donc retarder le développement de ces fonds. OK, thank you. Another question or more questions, please. The gentleman... Le monsieur au centre, s'il vous plaît, présentez-vous et soyez bref. Christopher Marks, Invest Africa. Très rapidement, sur les deux commentaires qui viennent d'être dits, l'utilisation des fonds d'investissement, import et développement, partenariat avec CDC, pensez-vous qu'il y aura une approche plus confiante, comme par exemple au Moyen-Orient, où il y a des partenariats avec des entreprises privées, de telle façon qu'on puisse apporter des capitaux auprès de ces entreprises privées. Donc, partenariat avec des entités, des institutions, des entreprises privées. Oui, mais...
le fondement même de la création d'un fonds, c'est la confiance. C'est créer pour nos États africains la confiance. Il n'est toujours pas évident de dire à un investisseur qui arrive dans votre pays, pour dire que nous avons le plus beau pays, avec tous les atouts touristiques, d'autres atouts environnementaux, et que l'investisseur arrive et mette son argent. L'une des choses, c'est quand même présenter la contrepartie. Le pays est beau, il y a des opportunités, voilà nous ce que nous sommes en mesure de faire, qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous? Et à travers ce mécanisme mis en place, et un dispositif simple, et plutôt privé, d'une structure de rigueur privée, cela permet évidemment de lever plus facilement toutes les contreparties ou les cofinancements qui peuvent être montés et qui peuvent créer les conditions à ce que les infrastructures, qui sont quand même des investissements qui coûtent très cher, surtout dans des pays qui ont quand même une taille moyenne. Mon frère, la Guinée équatoriale, disait qu'ils ont fait une avancée considérable sur les investissements dans le pays. Mon frère gabonais et moi-même, qui avons un pays, qui avons des pays d'une taille moyenne, et dans une région véritablement équatoriale, marécageuse et difficile, nous comprenons quels peuvent être les coûts des investissements. Les coûts sont faramineux. Donc à ce moment-là, nous créons cette confiance à travers ces fonds qui sont mis en place, qui serviront de contrepartie pour les investisseurs sérieux qui peuvent travailler avec nous. Et aussi, il ne s'agit pas simplement de créer des infrastructures qui n'aient pas des structures d'appoint, des structures économiques qui peuvent booster le développement. Dans notre pays, par exemple, nous avons un programme basé sur la modernisation du pays par les infrastructures, mais aussi sur l'industrialisation du pays. Parce que nous savons qu'autour de l'industrialisation, nous créerons davantage d'emplois, nous utiliserons davantage de jeunes, et à partir de cela, une autre partie peut être mise pour permettre aux investisseurs qui arrivent de participer avec nous, par exemple, dans les zones économiques spéciales, parce qu'ensemble, nous puissions mettre dans le pot commun ce qu'il faut pour, évidemment, mettre en place ces industries qui sont tant attendues. Et puis, pour qu'une œuvre soit réussie, il faut de la compétence. Il faut des hommes compétents. Et à ce moment-là, la formation des gens qualifiés est nécessaire. Mais vous savez que généralement, un fonds d'investissement comme tel est une structure d'État et les rémunérations ne sont pas toujours aussi fortes. Alors, donc, l'attrait qui ramène les gens pour se sacrifier pour leur nation d'abord est souvent difficile. Alors, quand on pense qu'il y a la prospérité quelque part et qu'on a les meilleures rémunérations, il est difficile de réduire de 30 ou de 40% sa rémunération pour venir s'investir et, à ce moment-là, apporter la qualification nécessaire pour rendre ces fonds performants. Mais ce qui est important, c'est que nous avons souvent des compatriotes africains qui excellent ailleurs, dans d'autres continents, dans d'autres pays. Mais si ces compatriotes mettent en place une petite fibre patriotique et qu'ils reviennent dans leur pays, dans leur continent, apporter l'expertise nécessaire, il est sûr que dans les 10-15 années à venir, ils vont retrouver leur niveau de vie et ils vont simplement booster l'Afrique vers le haut. Et c'est ça qui fonde véritablement notre volonté sur les fonds souverains. All right, thank you very much, Minister. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je veux maintenant revenir à Monsieur au premier rang. Encore une fois, on a dépassé notre temps déjà, donc s'il vous plaît, une question courte. Très bien. Une question à tous les fonds d'investissement africains. Est-ce que vous participez dans des projets industriels uniquement sous forme d'equity ou bien dette et equity? Si vous avez un beau projet qui peut participer à la valorisation des matières premières que vous exportez aujourd'hui et qui pourrait vous permettre aussi de créer des milliers d'emplois dans votre pays. Est-ce que vous êtes preneur? Merci. Amadou? Oui. Oh, OK. Oui, d'accord. D'abord, je voulais dire que c'est très important la création de ces fonds qui sont naissants dans la sous-région, parce qu'il y a un dilemme chez nous dans la zone CEMAC. Nous avons la liquidité, mais cette liquidité ne finance pas l'économie. Je pense que
Si nous créons des fonds souverains à travers les différents pays, il arrivera un jour que nous pourrons coopérer le fonds du Gabon, le fonds du Congo, le fonds de la Guinée-Équatoriale, nous pourrons financer des projets ensemble. Je crois que ce moment arrivera. Ce que vous proposez, c'est bien faisable. Parce que nous avons les liquidités, ce n'est pas l'argent qui nous manque, c'est les projets, c'est la coopération. Je pense que nous sommes en train de créer un cadre idéal pour la coopération future, surtout dans la zone CEMAC. Amadou. Juste pour rajouter en fait que les fonds souverains d'habitude n'investissent pas en dette, surtout des prêts pour des projets. C'est des investissements en fonds propres. Parce que quand on a les fonds propres et que le projet il est bien ficelé, les banques commerciales locales ou banques de développement aussi sont souvent prêtes aussi à investir quand l'équity il est suffisant. Juste pour dire également au niveau des PME, au Sénégal, 20% des revenus, des ressources du fonds 6 sont dédiés aux petites et moyennes entreprises, soit directement le fonds 6 qui investit, ou bien à travers des sous-fonds PME qu'on est en train de mettre en place, dont l'un avec un partenaire français, un partenaire international qui a de l'expérience dans la gestion de sous-fonds pour les petites et moyennes entreprises. Final word, Danas. À peu près la même chose. On part du principe qu'il y a un manque de fonds propres. Il y a de la liquidité, mais il y a d'abord les fonds propres. Sans fonds propres, il n'y a pas de dette. Et on part du principe que le secteur bancaire devrait correctement faire son travail. Il faut effectivement avoir d'abord les fonds propres, puis après avoir un bon projet qui peut être financé par le secteur bancaire. Donc, naturellement, nos gènes, c'est plutôt effectivement de la rentabilité long terme, dans le cas des fonds de pension, un peu le cas de la CDG, c'est de la dette. Mais comme il y a un besoin, et comme je disais tout à l'heure, investir dans le contre-cycle, là où il y a des besoins, là où il y a une défaillance d'un système, c'est dans ce cas les fonds propres. Donc on vient de fournir les fonds propres et après solliciter effectivement le secteur bancaire pour boucler le financement. Merci. All right, thanks to the panel for their excellent. Merci donc pour le membre du panel et leur excellente contribution et pour les questions pertinentes de l'audience. And we will now have a very short coffee break. We are behind time. Bon, on va faire une petite pause maintenant. On a un retard de 30 minutes. Donc, prenez votre café, s'il vous plaît, revenez rapidement. Merci.